Je m'appelle Geoffrey Viviès, je fais de la boxe depuis que j'ai 17 ans. J'ai commencé au Chemin Bas d'Avignon. Et ensuite, je suis arrivé au club, le KBCM à Marguerite. Je suis rentré dans ce club parce qu'il y avait de grands champions. C'était une belle école de boxe. Et les résultats ont commencé à venir en intégrant le KBCM avec Dominique Roman, mon coach. Le K1, c'est la discipline pied-point qui rassemble en fait toutes les boxes pied-point. Pour moi, c'est la boxe qui est la plus intéressante à voir. Il y a beaucoup d'intensité, de l'impact. Voilà, c'est une belle boxe. Donc on peut mixer la boxe thaïlandaise avec des personnes qui font du kickboxing ou du full contact. Allez, c'est parti, go! Allez, tout à fond! Hein. Du coup, on s'entraîne régulièrement, 5 fois par semaine minimum. Donc 2 jours de physique. 2 jours de mise de gants et une matinée où on fait de la piste. Les personnes du club sont là pour aussi venir nous soutenir dans la préparation, donc ils viennent mettre les gants quand il le faut, voilà, ils se rendent disponibles. Voilà, on est une équipe en fait, et même si c'est un sport individuel, on a besoin des autres et on est tous là pour chacun. Ben, moi j'ai commencé ce sport, j'étais assez agité quand j'étais jeune, et moi ça m'a permis de trouver à l'âge de l'adolescence voilà, d'autres repères aussi. Voilà, une famille au Chemin Bas qui m'a apporté de la structuration. Ça m'a donné aussi envie de pouvoir dépasser certains challenges, envie de faire des choses concrètes dans la vie. Ça a été positif pour moi, et maintenant ça me permet d'être posé, réfléchi. Moi, je suis éducateur dans un établissement spécialisé qui accueille des enfants qui ont des troubles du comportement et de la conduite. Et par rapport à leurs troubles, ils sont sortis du système scolaire. Et donc, par rapport à la boxe, moi, je fais des ateliers de boxe avec ces jeunes-là. Et donc, ça leur permet de prendre conscience de l'intégrité de l'autre, de gérer les émotions. Et donc, moi, c'est voilà, j'allie donc ma passion et le professionnel en pouvant transmettre ce que j'ai appris à travers la boxe à ces jeunes-là. Voilà, c'est un sport qui amène certaines valeurs. Les valeurs, c'est le respect, des valeurs de travail aussi, on n'a rien sans rien. Valeurs d'amitié, de disponibilité aussi. Voilà, on ne se met pas plus de pression. Voilà, la victoire, point barre. C'est un gars que je peux. Hein? Voilà, ça, il est à ta portée largement, Geoffrey. Hein? Pour moi, c'est une journée de plaisir, en fait, le jour du combat. Voilà. On souffre à l'entraînement, vraiment. C'est l'entraînement le plus dur, le combat. Voilà, c'est juste la réalisation de tous les efforts qu'on a pu faire. Ben c'est beaucoup d'adrénaline, il y a juste un homme devant nous, on est seul avec lui entre quatre cordes, mais bon, il y a quand même tout le soutien du public, ben ça compte beaucoup, ça donne la force. Tu n'as pas trop besoin de... J'analyse le type. Voilà. Voilà. Fais comme tu as fait avec Bamba, hein, tu as démarré d'entrée, tu as pas attendu. Oui, oui. Hein, regarde-toi ce soir. Hein. Là, tu as ton public, tu as ta soirée, c'est ma soirée. Hein. Tous les collègues de l'entraînement, on pense aux collègues de l'entraînement qui se sont rendus disponibles pour venir et qui ont donné de eux-mêmes aussi
Parce que bon, voilà, l'entraînement, on essaie de pas se faire mal. Le but, c'est pas de se faire mal, mais bon, on prend des coups quand même. Donc voilà, c'est vraiment de l'engagement. Donc c'est ça qui se passe, on pense à tout ça. Et moi, ce que je vise, voilà, c'est, pour moi, c'est gagner. Donc je suis déterminé, je le regarde droit dans les yeux. Et voilà, j'avance et je me dis, il n'y a que moi qui peux gagner.